Salut Twitch, salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne, je suis Corbeau de Jobotrot pour cette session. Nous sommes à l'épisode 7 dans l'expédition 8. Et puis c'est tout. La session précédente était chiante au possible et j'ai rempli quelques étapes. Laissez-moi juste faire un petit check du live, histoire de voir si tout roule. Voilà, tout fonctionne. L'objectif aujourd'hui étant, si possible, allô la caméra. Voilà. Non. Terrible. Caméra terrible. Caméra qui danse. L'objectif étant aujourd'hui de finaliser, de compléter cette expédition, si possible. Alors je vous préviens, je ne suis absolument pas dans un mood entertainment. Hein, c'est pas aujourd'hui que vous allez vous fendre la poire. C'est un live couette, hein. Très clairement, un live couette. Vous mettez sur mon live et dans un quart d'heure, vous faites dodo. Alors, j'en étais où? J'avais construit tout ce que j'avais à construire. Il me faut des nanites pour faire quoi déjà? Très bonne question. Oui, pour recruter le dernier pilote d'escadron. Et ça me donnera quoi d'ailleurs? Ok, rien d'intéressant. Alors, ce carburant là, pendant la pause, j'ai un peu checké le Wikipédia et effectivement, je dois déjà être en possession des plans de construction. Il y a du monde ici. Le profil du maître indique qu'une frégate de soutien est disponible. Le profil indique qu'aucun plan de carburant prof. Ah, bah voilà. Ah oui, non, mais. J'avais pas fait ça. C'est quoi cette connerie? Bien sûr que je l'avais fait. Ok. Donc là, j'ai les plans. Super. Donc maintenant, je suis censé pouvoir les créer. Alors, ok. Ok, ah bah voilà, super. Eh ben on va se faire un petit 200 tonnes hein, direct. Merci miam miam. Et puis je sais pas comment ça fonctionne exactement ces conneries. Je sais pas si c'est cumulable. 200 tonnes, 50 tonnes, 100 tonnes. Voilà, je crois que je me suis pas mis à sec pour autant. C'est super, je vais mettre tout ça dans le cargo. Impeccable. Bon bah voilà, ça c'est résolu déjà. C'était pas bien compliqué. Et donc il me faut là toujours la station de recherche, j'aimerais bien. Alors la station de recherche, c'est où ça? Peut-être que j'ai pas encore déverrouillé le plan. Station de recherche. Si je l'avais trouvé, je crois, tout à l'heure. Non. Non, non, station de recherche. J'ai pas dû le débloquer encore. Ok. C'est bien triste. Faites voir un peu cette plateforme là d'extérieur. Ah, il me faut de l'argent. Oh, terrible. Mais bon, sinon. Ouais, non, bon. J'ai pas envie d'y voir. Donc, vas-y, je peux lancer une XP. Et ça, c'est très très bien. Alors comment il s'appelle lui? Afensogar. Ouais, ce nom quoi. Alors. Oui, moi j'ai déjà deux frégates. J'en ai même trois en fait. J'ai le Normandie, j'ai la frégate organique et un autre. Alors on s'en fout. Je pense qu'il y a moyen de truander le jeu. Je pense que. Il y a moyen de lancer l'XP et de l'avorter direct dans la foulée.
Tiens, je vais lancer le Normandie dessus. Bim. Ah, ça a été automatique. J'ai même pas eu besoin d'attribuer le carburant dans le slot correspondant. Attends, je vais activer la mission quand même. Ah, il faut 3 expéditions. Bah, super. Alors, je vais les faire une par une, tiens. On sait jamais. J'ai sauvegardé avant, c'est parfait. Calibration de la frégate SSV ou SS5, en fait, j'en sais rien. Normandie SR1, lieu de communication. D'IV établi. Qu'est-ce qu'il dit? IV transmet les données suivantes. Blablabla. Inspecter les vaisseaux. Heureux, ça. Content de te retrouver. Ça fait plaisir. Oui, bon. Alors, pendant que t'étais pas là, et pendant ma pause, j'ai fait le petit check. Effectivement, j'avais pas réinteragi avec la pièce de commandement de flotte. Et ils m'ont donné les plans. Donc, j'ai fait le carburant et lancé une expé avec mon Normandie. Alors, maintenant, je voudrais essayer de truander le jeu. Je crois qu'il y a moyen d'avorter la mission. Et je pense que ça devrait suffire à... Voilà, abandonner l'XP. En valider une. Je pense qu'il y a moyen que ça valide la mission, non? Ah, j'en étais sûr. C'est quoi ce bruit? Qu'est pas ça? Putain, il se passe des choses. Alors, est-ce que ça a validé l'XP? C'est comme l'objectif d'expédition qui consistait à recruter 5 frégates. Moi, j'ai truandé le jeu au Nexus en recrutant plusieurs fois mes frégates de récompense d'XP, quoi. Autrement dit, la frégate organique et le Normandie, ça a fonctionné, quoi. Capitaine ami, j'adore partager mes itinéraires avec vous, mais toutes vos salles de commandement de flotte sont occupées. Ah putain, tu fais une XP par salle? Mais c'est de la merde. Ah oui, c'était comme ça déjà avant. Nous devons construire davantage afin de planifier de nouvelles aventures. Eh bien non, parce que je viens de l'avorter, celle-là. Ah oui, mais tu considères qu'il faut que d'accord, que la frégate revienne, quoi. Ok, c'est un délire. Peut-être que si je prends le compte rendu, ça devrait suffire. Ouais. Ah voilà, terminé l'XP. Bim, une sur trois. Super. Tout lui en le yeux, il est tout lui en le yeux. Oui, il est tout lui en le yeux. Alors, non. Eh bien, on va faire ça. Ok. Alors, fais voir un peu combien tu m'as pris de carburant. Ah, ça c'est les modules. Et carburant, en fait, tu peux plus l'attribuer toi-même. D'accord. Avant, on pouvait. Alors, cette fois, je vais envoyer le Léviathan. Ok. Carburant, 50 tonnes. Ok. Voilà, ça c'est fait. Une fusion mentale. Le dépôt mental contient des données suivantes. Ok. J'inspecte le vaisseau, histoire d'interagir un peu avec. Abandonner l'expédition. Hop. Et terminer l'expédition. Demander un dépôt mental. Terminer l'expé. Bim, et de deux. Hé. Et son gec. Mais c'est pas débile. Hop là. Et pour la dernière, on va utiliser la frégate qu'on avait de base.
Hop. Bonjour amis voyageurs, l'expédition a couvert 230 années-lumière et notre itinéraire devrait prendre selon mes calculs entre encore 3 heures. Tous les systèmes sont optimaux. Tuyauterie bruyante, ouais, je me rappelle. Ok. Abandonner l'XP. Et voilà, c'est magnifique. Ça me fait un objectif de plus. Non, j'ai. Oui, pardon. J'ai oublié de terminer l'XP. Hop là. Et voilà. L'appel des étoiles. Oui. Impec. Récompense. Du carburant, un compresseur minéral, des drones explosifs et un analyseur holographique. Qu'est-ce qu'un analyseur holographique? Bon, ça doit être encore un truc de frégate. Ouais, compresseur minéral, c'est peut-être à vendre, ça, pas sûr. Ça s'est mis où dans le cargo? Oui. Amélioration consommable de frégate. Ok. C'est vu. Comment ça, je peux pas le placer? Ah, ils sont pas débloqués ces slots. Ok. Voilà. Kit de réparation. Et les améliaux. Hop, je dégage le verre ici. Voilà, c'est propre tout ça. Super. Impeccable. Alors. Oui, il me faut plus d'énanite. Alors, on va voir s'il n'y a pas un vaisseau qui pop, un vaisseau pas cher qui pop sur le cargo. Tiens. Ah. C'est une navette, ça. Enfin, putain, je connais jamais les classifications de vaisseaux. Mais ça doit pas être trop cher. C'est un C, 6 millions quand même. Hein. 6 millions, c'est un peu cher en vrai. Hein. On va pas se mentir. C'est un petit peu cher, il a beaucoup de slots d'enfoiré. Est-ce que je prends vraiment le risque de manquer de thunes après? En vrai, oui. Vas-y. Voilà. Oh là, petit bug. Alors, let's go de la station. Niveau de menace importante qui veut pas me lâcher. Ah, mais ça, c'est pas une attaque. Non, non. C'est pour une récompense. 107 000 balles. Pas grand-chose en vrai. Alors, c'est quel sens? Oula. C'est l'autre sens. Il est mignon ce vaisseau, j'aime bien. J'aime bien ces propulseurs là. Les petites ailettes bouclier sur le côté, j'aime bien aussi. Alors, est-ce que je te démonte avant? Un petit peu. Ben voilà, il n'y a plus rien. Ok. Alors, si on n'a pas dit de conneries avec ça, il me semble bien hein, que c'était ça. On va choper quelques nanites. Ah, mais par contre, je vais pas avoir de place. Ouais. Ça, c'était sûr. L'imbécile. On va virer les croquettes. On va virer le fetchium, j'en avais besoin tout à l'heure.
J'en ai plus besoin, je crois. Hein. Tout à l'heure, j'en avais besoin dans la session précédente, mais je crois que j'en ai plus besoin. 3 d'argent, vas-y. Ça dégage. On va encore garder les noyaux et les cristaux de sulfure, on sait jamais. Je peux créer de l'antimatière, du carburant, tant qu'à faire. Métal chromatique, ouais. Vas-y. 2. 3. Super. Et du coup, voilà. Faire quelques cellules. En fait, j'ai pas libéré de slot. Je suis en train de me rendre compte. Au pire des cas, j'enlèverai le point de sauvegarde, ça devrait suffire, on devrait pas être loin là. Ok, c'est assez. Alors, est-ce que j'ai gagné quelques nanites déjà de base? On dirait pas. La réponse est non. Ah oui, c'est si j'ai gagné des technos en fait. Si j'ai gagné des technos. Et attends, et ça c'est quoi? Ces bases de données peuvent être utilisées dans une unité de recherche de construction pour chercher de nouveaux plans de construction. C'est-à-dire. Ah, les données récupérées. Putain, je sais jamais. Ah oui, c'est pour utiliser au Nexus. Oui. Ok. Ok. Et augmentation de stockage de vaisseaux. Bah, en vrai, je pourrais les utiliser. Hey, joli mignon. Bon, j'en ai déjà un comme ça. Hein. Et peut-être qu'il est mieux celui-là. Fais voir un peu. Je crois que j'ai exactement le même. Peut-être même que j'ai trois modules comme ça, moi, dessus. Il a le box thruster. Je crois qu'il n'y a même pas moyen de l'avoir différemment. Bah, il est bien stylé, en tout cas. Je le prends en toffe, on sait jamais. Hop là. Bah, je t'aurais bien recruté du coup, mec. Mais j'ai pas encore les nanites. Faire ton vaisseau. Ah, c'est un B en plus, hein. C'est le bon rapport poids-puissance. Pas trop cher à l'achat. Alors, est-ce que j'ai gagné des technos? Ah, j'ai pas gagné de techno. En fait, j'ai perdu du fric, je pense, hein. Tout simplement. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Aïe aïe aïe. On est d'accord que c'est pour de la revente, tout ça. Vendre, vendre. 19 nanites, 60 nanites. Ah putain, ouais. Ouais, c'est juste pour les technos qu'il y avait dessus en fait. C'est là que j'en gagnais. Ah, j'ai fait de la merde. Hein. J'ai perdu de la thune pour rien. Ah, ça fait chier un peu quand même. Ah, il y a bien les nanites, les... Ah, je peux pas les revendre non plus. Ok. Et ça, à la limite, je pourrais le recycler, non? Je pourrais le recycler si... Si ça me donne de la nanite. Je vais voir un peu.
si je leur vends. Valeur 16 nanites. Ah, c'est très pauvre tout ça, très pauvre. Ok, bon, je vais faire de la nanite à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire, je ne sais plus exactement comment, mais. On va faire de la nanite à l'ancienne. Alors. Donc, je revends ces conneries. Voilà, il a perdu de la thune. Voilà ce qui est fait. Alors, est-ce que on peut parler tous les deux? Carte d'amélioration d'exocombinaison. Ah oui, d'accord. Ok, oh, c'est nouveau ça. Ok. Ok. Et alors le mec de la guilde, il veut toujours pas me parler, je pense. Non, il veut pas. Très bien. Et toi, tu fais quoi déjà? T'es un agent de mission, non? Ouais. Emma. Alors. Estime Geek, carte d'amélioration, fortifice. Ok, que dalle. Ça va se passer au Nexus alors. Hein. Ou alors sur une planète. Ok, ça part en explo. On va regarder un peu ce que donne ce système. Il est beau ce vaisseau, ouais. Il y avait une belle planète là. Découverte par Hello Games. Je sais même pas si je m'y suis posé. Elle est bien mignonne. En plus, le cosmos est bleu. Beau système, quoi. Qu'est-ce qui se passe? T'as de la chance, étranger, nous offrons notre protection, voyageurs de passage. Oui. Oh putain. Aïe 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 aïe. Non, je me suis pas fait aggro en fait. Si, si. Hein. Ouais, d'accord. J'ai pas le temps de me poser. Non. Ça part en guérilla. C'est pas cool. Hein. Juste au moment où t'arrives pour te poser, tu te fais aggro. Bah après j'ai des alliés. C'est quoi le bouton déjà pour avoir le shoot auto? Je me rappelle plus. Ouais mais ça sert à rien de les dégommer parce que ensuite je vais avoir le taux d'étoiles qui va augmenter, c'est tout. Ah le mec qui protège son allié quoi. Ça c'est bon. Ouais, j'utilise le lance-roquette pas au bon moment. Là, je vois que mon bouclier il est pas bien. Ouais, je prends trop cher, faut que je me casse. Et je me casse. Alors, comment échapper à ces enfoirés déjà? Je crois que j'ai un bulletin de défense. Bulletin de défense, bulletin de défense. Il est où? Il est où? Je le vois pas, je 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 vois pas. J'en avais pris un pourtant. Je prends trop cher, je prends trop cher. Je prends trop cher, je prends trop cher. Au secours! Comment je peux faire? Il n'y a pas moyen de se poser quelque part, hein. On est d'accord. C'est juste je vais mourir quoi. Bah je vais essayer de fuir. Hein. Après tout le Condor, le Vector doré est assez rapide. Aïe aïe aïe! Enfoiré! Putain de merde! Oh là là, rejoindre la station quoi, quel délire! Aïe 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 aïe, bon ok, allez. Ça part en station, ou en cargo à la limite. Il est loin, loin, loin.
Ah, tout est très loin. Ah, c'est bon? Ok. Je sais pas, je suis en train de me dire, je vais peut-être faire une mission Nexus pour choper les nanites qui me manquent. Peut-être que je vais avoir pile le bon nombre. Il m'en manque à peu près 500. Sauvegarde auto. Alors, est-ce qu'il y a mon bonheur? 340 nanites. Et pourquoi pas? Le spécialiste Polo, encore plus émotif que d'habitude, implore les voyageurs de répondre à un signal de détresse qu'il a reçu. Incapable de quitter l'anomalie par lui-même, Polo se repose sur le courage de ses amis. Le but de la mission est de secourir un contact perdu du depuis longtemps dont le vaisseau semble avoir été rencontré. Eh, c'est parfait ça, parce qu'en fait, il y a une mission où on doit réparer un vaisseau. Est-ce que ça fonctionnerait pas ça dans la foulée? Ce serait pas mal. Je ferais d'une pierre deux coups. Ce serait beau ça. Ah si ça fonctionne, j'ai le cul bordé de nouilles. Où est-ce le karma? Je vous laisse décider. De la réussite peut-être. Trop belle la station. Alors, il est où le poteau? Il est là. Ah, anomalie gelée. Alors est-ce que j'ai une protection en glace? Je l'avais pas activée. Dioxyde 150, ah ouais. Il me faut un peu d'argent. Y a pas un petit astéroïde là? Putain. Bon. Allez, on passe. Oh, que c'est beau. Ah superbe, j'adore. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu sur une planète comme ça. Alors oui, où pépère? Ah, je l'ai perdu. D'accord. Super.
un gisement là. Je croyais que ça devait être gelé ces conneries. Bon. Tempête d'azur, aucun rapport. Ah, du sel? Non. Non, merci. Ah, dioxyde. C'est beau ça. Je crois pas que je m'en ferai 150 en 2-2, mais... Ah bah bizarre. Ah voilà. Oh bordel. Allez, barrez-vous qu'on nous mime. Sinon vous allez pas apprécier. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, je m'en fais quoi. Même pas une quarantaine. Terrible. Mais je sais qu'il m'en fallait parce que j'en avais parlé plusieurs fois de la dioxite. Des doigts métalliques, je peux pas les choper. Dioxite hyper loin. Sel, on s'en fout. Bon, ok. Alors, il est où le pépère? Ah, la tempête, elle me met cher. Ouais. Ah putain, j'étais juste à côté. Ah, je prends vraiment cher, hein. Ok, j'ai racheté le Passat Atlas, donc normalement je devrais pouvoir le... Ouais, voilà. Impec, un petit conteneur. Hop. Ok, une donnée de plus. Alors, avant de parler au pépère, on va examiner le vaisseau. Ah, ok. Je vais activer. Oh, c'est beau la lumière là. Oh putain, il y a une photo là. Non, pas comme ça. Il y a un petit décalage. Voilà, là on a la bonne lumière. Et ça, c'est beau ça. Hein. Ouais, parce que j'ai pas encore la vignette de l'XP. Donc il me faut la vignette temporaire des épisodes et celle du reward du dernier épisode. Donc pour la dernière, c'est laquelle qu'il faut que... Parce qu'il y a une vignette dont j'aime bien qu'elle soit en corrélation avec le titre de l'expédition. Étoile polaire, là, il n'y a rien d'étoile polaire, quoi. C'est mignon tout ça, mais ça n'évoque rien. Mais bon, c'est mignon, oui. Est-ce que j'ai envie de faire une photo là pendant 1000 ans? Je suis pas trop sûr. Je suis pas certain. Ouais. J'entends le voyageur inspirer fortement, il commence à se tourner vers moi depuis s'interrompt, comme s'il y réfléchissait à nouveau. Tristement, Azavien, voyageur, me montre le système de navigation fondu de son vaisseau. Cette pièce est loin d'être réparable, mais elle pourrait être remplacée. Ok. Toum, Ça ferait une belle photo. toum. Ouais, t'aimes bien l'image, j'avoue, hein. Tu fais exprès, Soussou, c'est ça? Tu t'es déguisé en troll aujourd'hui. Non, j'avoue, l'image est belle. Y a pas de souci. Est-ce que j'ai une pose sympa?
Ouais. Mais ça n'évoque rien, ça. Est-ce que je peux en faire une vignette de ça? Il y a les vignettes des épisodes et il y a la vignette du Rewards. Donc celle du Rewards, elle peut... Je pense pas. Ah, tu penses pas? Oui, d'accord. Belle photo, mais Osef, quoi. Mais c'est beau. Oui. Parce que... Pour... comment on appelle ça? Comment on appelle ça sur Twitch? C'est pas la playlist, c'est... Je mets les vidéos en temps fort. Collection. Donc la vignette de la collection de vidéos, à chaque fois je la mets dans des tons goldés, goldés et noirs, un peu brut, avec forcément les glyphes de l'XP. Et ça, je peux le faire de manière OZEF, une proposition éthérée. Y a pas de souci. Mais pour celle de l'épisode, j'aimerais bien quand même, ouais. J'aimerais bien un truc plus à propos. On verra ça plus tard. Ça part pas en photo là. Bon, en tout cas, je vais quand même activer la mission qui consistait à réparer un vaisseau. Ça doit être avant. Voilà. Je vais faire ça. J'espère que ça m'a pas enlevé ce que le type voulait. Trouver et restaurer un vaisseau accidenté. Est-ce que. Tiens, est-ce que j'ai accès là? La forme de vie proche m'observe, tant non, 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 d'accord. Bon, alors par contre, sur le radar, non plus. Emplacement libre dans l'inventaire de l'exo, 0 sur 34. Oui, ça c'est un problème par contre. Alors je vais me mettre un peu à l'abri. On doit avoir un paquet de merde. D'ailleurs, j'ai un paquet de merde à revendre. Le vaisseau est trop loin. Bon, ça va. Go dans le cargo alors. Vu que le cargo est accessible, lui. Contrairement au vaisseau qui ne sert à rien, même quand tu installes la techno qui permet de d'envoyer des trucs à bord, à chaque fois c'est la merde. Bon. Le sel, tout ça, en vrai, vas-y, ça dégage. Je crois pas que j'en aurai de nouveau besoin. Ça me ferait chier, mais bon. Hop là. Microprocesseur, vas-y, je le referai à la demande. À pas m'emmerder. Je mets le cuivre à côté, pas mal. Le dioxyde en dessous. Et l'uranium en dessous. Impeccable. La perle, je sais même pas pourquoi je l'ai gardée en vrai. Je la vendrai. Un petit peu de munitions. Ça, c'est pour le vaisseau, mais. Il est pas accessible. Hop, go le cargo. Du coup, je mets les munitions là. Voilà, j'ai un peu de place. C'est parfait. Bon, alors vas-y, pépère, là. Me prends pas la tête. Donne-moi un point pour aller te chercher tes. Pour aller te chercher ce que tu veux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux plus te parler en plus? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ben, dis-moi ce que tu veux. Il est sérieux, lui? Il est pas sérieux, le type, là. Alors, journal. Ami à la dérive, voilà. Récupérer un composant en état de fonctionnement. L'un des composants du vaisseau est irréparable. Des modules de technologie enterrés à proximité pouvant contenir une pièce de rechange. Utiliser l'opérateur de terrain. Oui. Alors. Ah, voilà. Ok. Bon, c'est pas loin, mais comme par hasard, je peux pas sortir. Mais sortir quand même! Quitte à y passer tout mon sodium, m'en bats les couilles. Je me casse. Ça, je profite du super jetpack.
composant de vaisseau, impec. Alors, est-ce que je dois en trouver d'autres? Non? Apparemment, ça suffirait. D'accord. Super. Ah, je les aime bien, ceux-ci. Alors, il est où ce vaisseau? Il est où le type? Oh. C'était un peu par là. Aucune idée, je sais même pas où je vais. Ah, sérieusement? Oh putain de merde. Ah non, voilà, putain, j'ai eu peur. Ah non, c'est mon vaisseau. Aïe aïe aïe. Terrible. Bon bah j'ai aucune idée d'où est le type. Hein. Oh putain, je l'ai retrouvé. Oh cette chatte. Oh mais sérieusement quoi, il me mettait pas un point. Hein. Il est bugué le mec. Non? Ah, c'est bugué! C'est bugué, c'est terrible! Je tente un move. Que dalle! Ah putain! C'est bugué ou j'ai loupé un truc, les gars, là? Quand j'interagis avec le vaisseau, il se passe rien. Et quand j'interagis avec lui, il se passe rien. Bon. Je vais mettre une balise. Hop, ça, je peux le faire encore. Du coup, hop, petite sauvegarde. Je vais me barrer et je vais revenir. Hein. Puis voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pas grand-chose en vrai. Hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive après tout. Oh. Alors la balise elle est marquée par un logo rectangle blanc, losange blanc. C'est écrit quoi dessus? Ouais. Ah non, c'est une étoile, ok. Allez, on se tire et on revient. À tous les coups, ça ne suffira pas. Ah, la balise, elle est même pas marquée ou quoi? Putain, c'est où ça? Si. Allez, jeu, s'il te plaît. Ah, ça va mieux. Alors, ah, tu me parles, mais tu me parles pas. Oh putain, je peux plus rien faire. Aïe 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 aïe. Beau boulot Hello Games hein. Ah oui ça, il fallait rajouter des éléments de structure au cargo. Hein. Vraiment. À moins qu'il y ait un succès à débloquer, survivre à... à une interaction avec une forme alien pendant 2 heures. Bon ben voilà, hein, le jeu est bloqué. Super, ça va me faire une vidéo de 45 minutes.
Bah écoutez, je vous dis à tout de suite hein, pour les plus courageux. Allez, bisous.